ici à Vapexpo Paris 2018, eh bien, vous le savez, Vapexpo est un salon international. Donc, nous sommes ici chez nos amis espagnols. Bonjour, Joan. Bonjour, c'est Joan Lopez de chez Drops. Voilà, nous sommes avec la marque Drops, eh bien, qu'on découvre presque en même temps que vous. Bien sûr, j'ai goûté tous les produits avant et j'en suis très content. Alors, tu m'as expliqué, Joan, que vous existez maintenant depuis 6 ans. Oui, effectivement, on existe depuis 6 ans. Si vous voulez, on est la marque la plus importante en Espagne et on commence à travailler sur la Sud-Amérique et à se développer en Europe. C'est pour ça qu'on est là et maintenant, on a de la présence en France pour faire découvrir cette très jolie marque. Donc, la marque Drops, qui est une marque de Barcelone, vous fabriquez à Barcelone. Tu m'as dit, Joan, que chaque année, vous sortez une nouvelle gamme. Alors, du coup, là, j'ai 6 gammes, une pour chaque année. Genesis, la première. Signature, Artisan, Four Seasons, Conqueror. À chaque fois, il y a à peu près entre 4 et 6 liquides, c'est ça par gamme? Effectivement, chaque fois, on a sorti entre 4 et 6 liquides. On a déjà 32 liquides, donc ça commence à faire beaucoup. Mais je pense qu'on a déjà un goût pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on va arrêter de faire de trop gros développements. Et on va se concentrer sur ce que l'on a déjà. Donc, on a sorti une gamme par an. Mais bon, on a déjà 5 gammes, ça fait 32 liquides. Et je pense qu'on peut contenter tout le monde. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Alors, on en a choisi 4, pas au hasard. Hein. On a le best-seller. Le best-seller, il est là. C'est le Mommy Cake. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le Mommy Cake? Alors, moi, alors je suis comme tout le monde, hein, j'ai aimé, comme tout le monde. Ouais. Alors, dans le Mommy Cake, en fait, c'est un cake au citron avec un fil à la fin de meringue. Quand ce produit a été développé, enfin, il y avait déjà des tartes au citron sur le marché. La grande spécialité de chez nous, c'est que tous les arômes sont spécialement développés pour notre marque. C'est pas des arômes commerciaux, c'est des arômes à nous. Enfin, je vous invite à le découvrir si vous avez l'occasion dans votre shop ou n'importe où, mais vous verrez quand même qu'il y a une différence d'arômes. Moi, je confirme, les arômes sont excellents, c'est pas trop fort. Donc, une petite question, Joan, est-ce qu'on trouve ça en 50, en 40, on trouve en 10? Alors, effectivement, on a 3 formats différents. On a le format en 10 ml. En 10 ml, on a du 0, du 3, du 6, du 12 et du 18. Après, on a un deuxième format, c'est le tri-pack. C'est les boîtes de 3 fois 10 ml qu'on trouve dans les mêmes taux de nicotine. On a sorti ça au mois de juin, c'est les 50 ml. Alors, les 50 ml, Dominique, je t'explique, c'est du 0 en fait. C'est pas un surarômé. Et dans le 50 ml, on donne aussi le flacon de 10 ml en 18, mais qui a déjà aromatisé, voilà, qui a déjà stipé avec la nicotine. Donc, c'est ce qu'on appelle un shake and vape. C'est-à-dire qu'on le met dedans, et c'est très simple à le mettre dedans parce qu'il a un bouchon qui se dévisse. Ouais, c'est bien ça. Pour pouvoir mettre à l'intérieur le petit piton. Donc, avec ça, on le met dedans, on ferme, on shake et c'est prêt à vaper. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre de le laisser stiper une semaine, c'est du prêt à vaper. Voilà, on peut dire que le booster est aromatisé déjà. Le liquide lui-même n'a pas besoin d'être suraromatisé pour être dilué après dans la nicotine neutre. La nicotine, là, ici, en 18, est déjà aromatisée. Le mélange est parfait, on n'a pas besoin de le stiper, c'est magnifique. Eh bien, voilà, on a vapé tout ça, bien sûr, sur les petites box drop qui sont en poudre d'aluminium, on m'a dit. En poudre d'aluminium, ça s'appelle de l'alumide. Et dedans, on a un pin SVF avec une lamelle totalement en argent. Et voilà, le tout dans des belles petites box drops button feeder. 32 liquides, voilà, vous n'êtes pas né de la dernière pluie à Barcelone et vous arrivez ici à Vapexpo en France pour aller nous présenter vos produits et on est extrêmement content de ça. Merci Joan. Merci Dominique, à toi et à toute l'équipe. Voilà, bon courage, bonne chance ici sur le marché français. Il y a beaucoup de concurrence mais il y a de la place pour tout le monde. Voilà, on était à Vapexpo Paris 2018. Eh bien, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Je vous souhaite une bonne vape et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde !